Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, en tout cas on fait aller, hein, on est en train de survivre sur Métro 2033 Redux. J'espère que vous êtes tous très bien, nouvel épisode, deuxième épisode, en espérant que le premier vous a plu. Je tourne cet épisode à la suite du dernier, I want to believe. Je veux y croire, évidemment, on veut y croire, on veut survivre et on se retrouve ici, on est censé chercher une petite cargaison si je dis pas de bêtises. C'est notre père adoptif juste ici qui nous a demandé d'aller récupérer une cargaison. Mais en même temps on est là, on a notre cœur qui balance avec Hunter qui fait partie d'un autre clan finalement. Enfin c'est pas un clan mais vous m'avez compris et donc voilà, notre cœur balance un petit peu entre les deux. En tout cas on est armé, on est équipé, donc on va aller rejoindre nos copains. Bonjour les cochons, bonjour à vous. Salut. Alors voyons voir. Donc on a plein de cochons. Je pense qu'à mon avis en termes de maladie ça doit y aller, hein. Ça doit y aller fort. Je vous salue. Alors vous êtes prêts à y aller? Et en plus on n'est pas obligé d'être prêt. Bah bien sûr que je suis prêt. Vous êtes prêts? En avance. Pour les meurtres. C'est pire que d'être le docteur qui a inventé la guillotine. Assieds-toi là, Artyom. Et toi, Eugène, mets-toi ici. Vous avez rien oublié? Bon, t'as le matos? Allons-y! Eh, les mecs, vous allez à Riga? Ouais, en effet. Vous pouvez me déposer? Ouais, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps. Je peux le faire! Alors allons-y! Très bien. Bonne chance à ceux qui restent. Et à nous aussi. Ah, allons-y. Souhaite-nous bonne chance. Bon. Vous êtes prêts à être enfin ailleurs? Waouh, Artyom! Enfin libre! Pendant la durée du trajet, en tout cas. Ça devrait être sympa. Ou dangereux. Ou encore mieux, non? On dirait pas un peu un train fantôme, là? C'est un peu un train fantôme. C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement à Frériga. Mais Hunter comptait sur moi. Voilà, on va rendre un service à Hunter du coup, mais... Normalement, on n'est pas censé le faire, on est en train de mytho, quoi. Alors, d'où vous venez? Riga, je fais ma tournée. J'achète des marchandises. Vous avez dû voir du pays, alors? Waouh! Go, go, go. Le marché est juste à côté de Riga, et c'est une grande station de métro. J'ai fait plusieurs voyages à police, mais pour s'y rendre maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Faites bon voyage. Ou être de Hanza. J'aimerais bien voir ce truc. La zone Hanza est reliée à tout le métro, avec ses nombreuses stations. Mais les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Et si c'est pas Hanza, vous pouvez passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Et ces types sont plutôt agressifs ces temps-ci. S'ils attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. Bon courage. J'ai même pas réussi à atteindre la station. Tout à coup, j'ai été paralysé par la peur et j'ai pris la tangente. Ralentissez, les gars. Peter, qu'est-ce qui se passe? Une caravane militaire est immobilisée près de Alexevskaya. Un éboulement ou un autre truc du genre. Vous devez prendre le tunnel de service qui contourne Alexevskaya. Oh, merde. Je déteste ce tunnel. Ok, Peter. Ouvrez cette porte. Inutile de rester ici plus longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce tunnel? Ben, c'est... un tunnel ordinaire. Pas assez éclairé, peut-être. J'y suis passé le mois dernier. Oh, je l'aime pas, c'est tout. C'est bizarre. Il a vu des choses, à mon avis. Et il veut pas nous en parler. Faites bon voyage. On est sur une résine, et on est armé, donc on devrait y arriver. Ok. Bah il va se passer des choses, hein. Bon, on est en 2033, les armes elles sont pas modernes, hein. Ça me fait mal. Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. Ok Eugène, aide-le. On ira plus vite. Tu gardes l'arrière, Artyom. Ok, pas de problème. On sera à Riga en moins de deux. Non, j'ai pas l'impression qu'on va plus vite. Il faut partir d'ici au plus vite. Je trouve ça flippant quand ils nous rôdent autour. Ils me font pitié. Deal.
Mais qui ça, ils? Vous les entendez pas pleurer? Comment ça, pleurer? Mais de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce qui se passe? Boris? Boris? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh les gars! Oh, ma tête. Les gars! C'est quoi? Mais arrête! Ok. Artyom! Par ici! Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends? Mais c'est Hunter ça! Ok, donc là on vient d'avoir un flash où on a vu Hunter se faire agresser finalement. Et là on reprend nos esprits. Sauf nos amis. Ah. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Merde! Mais réveillez-vous! Réveillez-vous, bon sang! Boris! Boris, réveillez-vous! Boris! Merde, ça craint! Oh non. Je peux pas tirer. Je peux pas tirer. Ah, merci. Non, parce que là... Non mais à un moment donné Oh là 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 là. Ça va? Il est pas ouf ton fusil quand même hein. Oui, bah du coup je tire pas, d'accord? Je laisse nous manger, ça te va? Encore un petit effort, allez. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, il se réveille. Dégage! Oh putain. C'est tellement effrayant. J'arrive les gars. Il est vivant. Par ici, vite. Je suis là. Eh ben! C'était chaud. J'ai besoin d'un verre. Eh ben! Eh, en fait, j'ai cru que j'étais mort en vrai, hein! La station Riga n'était que le premier arrêt de mon voyage. Mais la caravane n'a pas continué. Alors, avant de nous séparer, nous avons bu à notre survie. La vodka ne m'avait pas ôté la peur de me rendre seul à police.
mais j'étais sur le point de trouver un partenaire aussi inattendu que célèbre. Oh là, je sais pas de qui il parle, on va voir. On va voir. Bon, les gars, trinquons à la santé de notre ami Artyom, qui se fiche des monstres et phénomènes du genre. Artyom! À toi! On a l'impression que je suis le héros de je sais pas quoi, bah, j'ai rien fait. Hein, franchement, sans toi, Artyom, on aurait été littéralement déchiqueté. Tu mérites une médaille. Ah, je suis d'accord. Ou au moins des munitions. Ah, tiens, ça m'intéresse. À toi. Artyom, à la tienne. Artyom, t'es vraiment immunisé contre ça? Voyons si cette vodka le met KO. Ok, on va vérifier ça. À notre bonne étoile. Et toujours Artyom. À ta santé. Là, ça picole, hein. Elle tape, cette vodka. Allez, raconte. Le tunnel vers le marché est fermé et je m'ennuie à mourir à rester planté là. Alors attends, les munitions, hop, à moi. On s'est tous évanouis. Quand j'ai repris connaissance. Bonjour madame. Alors une petite note. J'étais victime d'hallucinations. Que pouvaient bien être ces ombres étranges et ces voix qui murmuraient et gémissaient silencieusement dans mon esprit. De terrifiantes légendes courent sur certains tunnels du métro, mais je n'avais jamais entendu parler de telles manifestations et j'espère bien ne plus jamais y être confronté. Nous avons eu une chance incroyable de sortir vivant de cet endroit, c'est sûr. C'est très curieux encore pour le moment, on sait vraiment pas ce qui se passe. Ça va ? Les gaz ? Ah, lui il est pété. Bon. Eh bah écoutez, on peut jouer au piano un petit peu là. Pas mal, 4 petites notes, on peut faire mieux. Alors. Laissez-moi sortir de la station. Qu'est-ce que ça peut vous faire si je vis ou meurs? Qu'est-ce qui se passe là? Je m'en fiche, crétin, mais j'ai des ordres. Calmez-vous. Hein? Bon. Il va bien le petit enfant là, il me fait un peu de la peine, ça va? C'est toi Artyom? Ouais, c'est moi. Hé, hey, y'a un homme là-bas qui t'attend. Je t'y conduirai en échange d'une balle. D'une balle? Non, je te donne rien mec. Ok, trouve-le toi-même alors. Bah ouais en fait. Bah évidemment, mais gros, tu n'utilises pas des armes à ton âge hein. Allez, va retourner ranger tes chaussettes. Laisse-moi. Ah lui aussi il veut des balles, mais c'est tous des mendiants ici. Non là par contre vraiment moi je suis là pour vous sauver, j'ai besoin de munitions hein. Ok. Là ça va où? Attendez, il y a tellement de petits endroits. J'ai envie de tout explorer les gars. Je sais qu'il y a un monsieur qui m'attend, bah il m'attendra hein. Oh mon dieu. Non. Il va m'arriver une couille ici là hein. En fait c'est assez marrant parce que ça, bah, en fait c'est la société mais version bah en mode survivaliste. Donc là maintenant c'est pas des pièces qu'ils veulent, c'est des munitions quoi les... Bah les pauvres et tout, enfin c'est dur. Mais je vais où là? Attendez les gars. Où c'est que je suis en train d'aller là? Est-ce que... Alors attendez, je suis en train de découvrir un endroit. Il va m'arriver une bricole. Là je peux pas y aller. D'accord, et là il y a... Attends, là on peut faire quelque chose? Non, on peut rien faire. Et là? Non parce que si on peut peut-être trouver des fois... Bah des petites munitions, voilà, on dira pas non quoi, je pense que vraiment... Oh! Eh bah voilà! On vient de récupérer des munitions. Non parce que j'ai compris que maintenant que vraiment sur ce jeu, visiblement, bah c'est bien fait. C'est que clairement, faut le faire pour gérer ces munitions quoi. Ok. Bon bah, demi-tour. On retourne ici. Oh bonjour. Ah il dort ici et tout. Ah ouais! Ok. Bon allez. On va retourner Attends ça va où là? Attends je veux revoir le morveux là. Hey, je t'y conduirai en échange d'une balle. Toujours pas non. Et là ça va où là? On visite un peu. Change de disquette. Ah bah là il y avait des munitions petit. T'es bête. Bon allez. Vous savez quoi?
Même si je pense que c'est par là-bas, on va lui donner, allez. Tiens. Merci. On y va. Ouais, on y va. Je te suis. Va pas trop vite, hein. J'ai de l'arthrose. Ah, t'es très lent en fait. Quoi? T'es sérieux là? Attends, tu m'emmènes où? J'y étais déjà moi. Il m'arnaque là un peu. J'avais pas besoin de toi en fait. Pierre, eh, c'est bon, je te suis. Ouais. C'est bien, il réfléchit avant de monter les... Et où c'est que tu m'emmènes? Ah. Ouais. 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 Il est mignon. Voilà. C'est celui qui est assis là-bas. D'accord. Bon, j'y vais. Salut. Approche. Salut. C'est donc toi, Artyom. Oula. Assieds-toi. Bah, ok. Il me fait un peu peur, le monsieur. On m'appelle Bourbon. Écoute, je dois aller à la station Arid pour affaire. Mestroara est fermé. Mais je connais un chemin, un passage maudit que les habitants ont peur d'emprunter. Mais il paraît que ce qui se passe dans les tunnels ne t'affecte pas. Donc, tu m'aides à rejoindre Arid et je te donne mon calache une fois là-bas. Entendu? Ah ouais. Voici une avance, au cas où t'aurais besoin d'un peu d'équipement. T'es prêt? Bien sûr. Inutile de rester dans ce trou. J'adore les plans foireux. Je t'ai pas quitté mais je te fais confiance. C'est vraiment les plans foireux, tu sais. Attends, bonjour madame. Là vous tournez pas, vous faites semblant là. Alors, merde, il est passé où? Ah. Le plan foireux par contre. Donc apparemment je suis immunisé contre tout ça en fait, visiblement non? Je pense que je suis immunisé contre mais c'est pas sûr, je pense que c'est juste que j'ai eu de la chance et du coup les gens ils disent ça par abus de langage bien sûr, mais je sais pas. Très bien. Ah bah c'est là où on était avant. Non par contre Putain mais si t'es torché mec, on va faire comment gros? T'es insupportable. T'es insupportable. C'est bon, t'as fini? Voilà. Oh là là, mais quelle force. T'es insupportable, mais alors qu'est-ce que t'es fort? Allez, j'y vais. Bonsoir. Oh, je l'ai pas attendu, hein. En entrant dans le tunnel abandonné avec Bourbon, je me demandais si j'avais eu raison de lui faire confiance. Mais les portes de la ville étant toujours condamnées, c'était peut-être ma dernière chance de quitter Riga. Eh oui, parce que je veux absolument en profiter pour partir d'ici et rendre service à Hunter à la base, je vous le rappelle, d'accord. Ok, ok. Enfin, on est libre. Ouvre l'œil, le tour Andrésine est terminé. Beaucoup d'hommes sont morts dans ces tunnels. Alors attends. Si on reste sur nos gardes, ah. J'ai 3 armes sur moi, là j'ai pas de munitions, j'ai des munitions de pistolet. Et j'ai mon petit fusil à pompe que m'a donné l'autre. Eh attends, attends-moi gros. Abuse pas. Ah merde. C'est qu'un simple rôdeur. Oui oui. Il attaque rarement les groupes. Et si t'es seul, méfie-toi. D'accord. Bon ça va, il me dit des trucs c'est sympa. Oula. Ah oui en effet il était tout seul lui. Ah. Oh, des champignons magiques. Allez, on y va. On avance un peu là parce que t'es chiant. Hein. C'est rien. C'est rien. Étrange, ces bruits. Mais non. Soit ça vient du sol, soit c'est le vent. J'ai entendu parler de tuyaux qui chantent. On dit que si t'écoutes suffisamment longtemps, tu peux entendre les voix des morts. Bah oui. Mais c'est normal ces bruits, voilà. Hein, hein, c'est normal. J'essaie de me rassurer hein. Eh ça va où là, attends? Excuse-moi, je suis un peu curieux. Oh, j'ai récupéré des dynamites ou des... Je sais pas ce que j'ai récupéré. Ah!
Hey mec, t'es où? Ok. Je viens d'apprendre une belle leçon. Alors ça, ok, c'est des rôdeurs, c'est ce qu'il a dit en fait. Ouah putain. Ok, mec, je reste avec toi tout le temps. Je... mec, j'ai eu peur. Vas-y. En plus, j'ai un petit flingue. Eh, donne-moi ta calache, c'est bon, t'inquiète, on va... Hein? Oh là là, il m'a fait mal en plus. Ah? Oula. Merde, la caravane. Ils sont tous morts. Cette façon de faire, c'est les bandits. Et Hanza qui se targue de les avoir éliminés, hein? Reste sur tes gardes. Ils vont pas nous laisser passer comme ça. Système d'alarme. Sommaire, mais assez efficace. Si tu veux arriver discrètement, évite de toucher les boîtes de conserve. D'accord, c'est des pièges. Contre les mutants ou contre ceux qui veulent s'enfuir, je sais pas. Visiblement, il y a vraiment plusieurs clans. Forcément. Alors, on connaît pas encore tout, mais... Les bandits. Attention où tu mets les pieds. Le moindre bruit te trahira. Ok, on va faire gaffe. Hop, un petit couteau. C'est toujours ça de pris. Oula, un fil de détente. Idéal pour se débarrasser des aveugles et des casse-cours. Attends. Et on fait comment pour passer au-dessus? Voilà. Ils se sont barricadés. Merde. Il faut qu'on approche. Tu peux te charger de la patrouille? Non mais on va pas tuer une patrouille. Putain, on va devoir tuer nos confrères. J'aime pas l'idée. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une élimination par derrière? Furtivement. Oh, ça va être dangereux ça. Oh, ça va être dangereux ce que j'allais faire. Est-ce qu'on va se contenter d'une balle? Voilà. Ah, je peux pas faire d'élimination. Ah si. Attendez. On va l'assommer. Non, on va le... Ouais, bah. J'avais pas le choix, frère. T'allais me trahir. Alors là, c'est la merde. Ok. Bonne nuit. Bien sûr, on récupère toutes les munitions qu'on peut. Oh. Parfait, ça. J'ai de nouveau des munitions dans mon arme. Attends, il en a encore lui, je crois. Excellent. Ok, par contre il va avoir les cadavres bientôt là. Il est où? Ok. Ok. C'est le moment. Attends, y'en a un autre qui arrive. Non? Eh, il est passé où le frérot? Ah, il est là. Oh! Eh merde. J'ai mis ce clic, les gars. J'ai été mauvais, voilà, voilà. Disons-le. Désolé. Voilà. Elle est vraiment pourrie ce fusil à pompe, hein. Attendez. J'avais pas un pistolet une fois? Oh, je viens de comprendre, j'ai échangé une arme, non? J'ai... Là. Bon les gars. Eh merde. Bonjour, je récupère un peu. Voilà.
Je suis avec toi, gros. Dommage, hein. On aurait pu se faire ça full discret. Attends, ouais, j'ai bien autre chose. Ah. C'est con parce que j'aurais voulu garder les munitions contre les mutants, quoi. Allez. Ça dégage. Bon bah c'est dommage. On aurait pu se faire ça full discret et... En fait, je me suis trompé de touche. Je suis dégoûté. Ah, j'ai Masmune là, non? Alors je vais garder ça. Le pont est à l'endroit dangereux. Alors voici le plan. Je te couvre et tu gardes un œil sur moi. Ouais, attends, bouge pas. Bourbon tente de se faire passer pour plus naïf qu'il ne l'est réellement. Certes, il est grossier et son humour est loin d'être affiné, mais c'est ce qu'il me raconte de ses exploits sans même parler de ce qu'il préfère passer sous silence prouve qu'il est bien plus intelligent qu'un contrebandier ordinaire. Il en sait long, tant que la situation des stations proches que sur l'ensemble du cercle. Tous les passagers des tunnels, même ceux qui sont abandonnés depuis des lustres, qui l'ont connu et il n'a pas peur de se battre, ce qui laisse penser qu'il a déjà eu l'occasion de faire de mauvaises rencontres. On ne mottera donc pas de l'esprit qu'il est bien plus qu'un simple contrebandier. Donc le mec avec qui on est, faut quand même s'en méfier. Globalement. Je viens de plonger la station dans le noir, les gars. Ça peut toujours être sympa. Très bien. Dis-moi tout. Ah ouais. Ah ouais. Toi, tu veux que je meure, toi? Mais... Non, par contre, c'est trop haut. Allez, le masque à gaz. Fais pas le malin, je suis avec toi, hein. J'ai peur moi. Ça y est, il monte au mur là, j'en ai vu monter au mur. Là. Ok. Ah! Bon, je vais devoir compter sur son aide parce que... Non mais même deux balles ça suffit pas. Ok, j'arrive. Waouh. Je suis sonné là. Je suis là my friend. Où c'est que tu m'emmènes là? T'as l'air de t'y connaître hein, mais moi je sais pas où on va hein. Ouais. Ouais. Il est où là? Là. Là là mec. Maintenant. Oh là là. Infâme cette arme. Ah bah recharge hein, moi je peux rien faire. Bon on va le laisser gérer hein. Voilà. Horrible. Ce double coup est horrible. Mais vraiment. Bon les amis, cet épisode va être un peu plus long, on en profite. Là j'ai plus que deux balles en plus dans mon... Dans mon double coup là. Artyom, chut. C'est le chariot militaire de Hansa. Il recherche les bandits. Bah éteins ta lumière, hop. Et tu le vois où? Je vois pas de chariot militaire, gros. J'ose plus m'avancer. Ah là. D'accord. Bonjour monsieur. Hop, merci à vous. Ouais, vas-y, parle plus fort encore. Ouais, j'ai mis la lumière, hop. Allez. I follow you. Ouais, j'ai pas confiance. Oh, c'est pas vrai. Abusez pas non plus des bonnes choses. Allez, hein, une balle à côté, c'est pas trop mal. Voilà. Yes!
Mais dégage maintenant. Je vais crever, je suis mort, allez hein. Voilà. Ce jeu me met en pression les gars. T'as une façon de monter les escaliers mon pote. Non mais reste pas là dedans. Bah oui, bah évidemment on va tomber. Voilà. C'est la gravité de la lune. On est sur la lune en fait. Ok. On continue ? Ça va, tu t'es remis de tes émotions ? Je sais pas. Eh franchement, je sens le mec, c'est un bourbier. Hein. Hop là, merci. Oh. C'est exactement la même arme. Y'a pas des mines là ? Dommage. Attends-moi, t'es où, t'es là ? Allez. Ça c'est traversé. C'est déjà pas mal. On se casse. Un effondrement, merde. Et un escalier comme par hasard. Ça me paraît louche tout ça. Tant pis, on y va. T'as l'air très énervé là. Là! Mais derrière toi! Oh, deux balles, ça a marché. Alors attends. Une. Ah, ça a pas marché là. Yes. Bah, je vais mourir. Hein. Ah, mais il est mort! Ah, il est mort d'une manière tellement stylée! Mec, t'as trop la classe! T'es passé où? Oh! J'ai plus de batterie dans ma lumière. Il est passé où? Gros? Hey gros! T'es passé où? Ok, je l'ai perdu. Attendez les gars. Je viens de perdre mon rey. Ok, je viens de perdre mon rey. Alors attendez les gars. Ça sent l'entourloupe là. Je vais descendre. Et je vais aller là-bas mais... Attends, d'abord. Est-ce que là par simple hasard, il n'y aurait pas quelque chose qui me ferait plaisir? Non, pas du tout. Ok, là tu sens la... Attendez, je vais changer d'arme. Là tu sens qu'il va se passer un truc. Là on m'a pris pour un jambon. Non mais il a pas pu partir aussi vite. C'est impossible. Il a pas pu... Ah t'es là gros. Ah tu m'as fait peur. Bon sang. Comme si les Nosalis derrière nous ne suffisaient pas. Nous voilà coincés dans un cimetière. Artyom, trouve les corps pendant que j'essaie de nous faire sortir d'ici. Pourquoi tu veux des corps? Ah! Un nouveau flash. Ok. Ça va? Bon, bah on va récupérer un peu de...
Qu'est-ce qui m'est arrivé, bon sang? Artyom, t'as entendu ces chansons? Oh, je le souhaite même pas à mes ennemis. Très étrange, des hallucinations. Très bizarre. Et des mutants qui nous suivent de très près derrière. Attends-moi. J'aime pas ça. Bonsoir. Ok. Eh ben les amis, on va s'en arrêter là. Si c'est possible pour cet épisode. Oui, il ne se passe rien, j'ai eu peur. On va s'en arrêter là pour cet épisode les amis. Beaucoup de choses à dire et c'est incroyable. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très rapidement, c'est promis, pour le prochain épisode. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.